à jouer au piano. Salut tout le monde et bienvenue dans Des chansons au bout des doigts, la chaîne dédiée à l'apprentissage, non pas de la guitare, mais du piano. Aujourd'hui, un tutoriel spécial Jeff Buckley, dans son titre qui fut un carton grâce notamment au film de Shrek, qui s'appelle Hallelujah. Hallelujah. Voici la technique du morceau. Cette technique va vous permettre de recopier la guitare de Jeff Buckley dans son morceau. Ce sont des arpèges que nous allons jouer en 6-8. Pour jouer en 6-8, il ne faut pas avoir peur, il nous suffit de jouer 6 notes. Donc un arpège de 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet arpège, je vais vous l'apprendre et après, vous n'aurez plus qu'à l'appliquer sur chaque accord que je vous montrerai pour les deux parties du morceau. On part sur un exemple de l'accord de Do. Ça fait rouge à la main gauche et à la main droite. Jaune, bleu et rouge. Pouce, index et petit doigt. Au lieu de plaquer l'accord, je vais jouer les notes, note par note. Voici l'ordre des couleurs. Je commence avec la main gauche, sur la gommette rouge, puis jaune, bleu, rouge, bleu, jaune. Je recommence. Jaune, bleu, rouge, bleu, jaune. On a bien 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, c'est le secret du morceau. Voici la première partie du morceau. Cette partie est assez longue, on l'a donc séparée en deux et on va les apprendre séparément. Voici la première partie. On commence sur un accord de Do comme dans l'exemple. Donc rouge à la main gauche et jaune, bleu, rouge à la main droite. Cet accord, je vais l'arpéger. Donc rouge, puis jaune, bleu, rouge. Exceptionnellement, il y aura seulement deux exceptions dans tout ce morceau, pour cet accord de Do, je ne vais pas redescendre. Rappelez-vous, dans l'exemple, on avait fait... J'avais redescendu à la main droite. Cette fois-ci, je vais descendre à la main gauche. Ça va nous donner donc rouge, jaune, bleu, rouge, et après à la main gauche. Rouge, rose et violet. Quand je termine sur ma note violette, c'est la première note de l'arpège suivant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc quand j'arrive sur cette note, on voit bien la couleur violette, c'est le La. Donc je vais faire un accord de La. Et je vais l'arpéger. Mon majeur est donc sur la gommette violette et ma main droite ne bouge pas. Elle va faire jaune, violet avec le majeur et encore rouge pour le Do. Et je vais faire cette fois-ci l'arpège qu'on a appris. Violet, jaune, violet, rouge, violet, jaune. Voici les deux accords au ralenti.
Ça nous donne donc 4 accords. Il me reste encore 4 pour finir la première boucle. Je vais faire un arpège de Fa. Donc petit doigt gommette verte. Et à la main droite, vert, violet, rouge. Et j'applique l'arpège. Vert, violet, vert, vert, violet, rouge, violet, vert. Ensuite, on aura un sol, donc annulaire sur la gommette bleue, puis orange au pouce, bleu sur l'index et à l'annulaire rose. Un accord de sol que je vais arpéger. Bleu, orange, bleu, rose, bleu, orange. Fa. Sol. Et je reviens sur un Do. Rouge, jaune, bleu, rouge, bleu, jaune. Et je finis encore sur un Sol. Bleu, orange, bleu, rose, bleu, orange. Voici toute la première partie de la première partie au ralenti. Partie de la partie du couplet. On commence encore avec un Do. Rouge, jaune, bleu, rouge, bleu, jaune. Ensuite, on va venir sur la deuxième exception du morceau. On va jouer les deux gommettes vertes à chaque main en même temps. Petit doigt à la main gauche et pouce à la main droite. Ensuite, violet et rouge à la main droite. C'est un accord de Fa, mais on va l'arpéger avec seulement 3 notes. 1, 2, 3. Et ensuite, on va faire la même chose sur l'accord de Sol. Donc, on va appuyer sur la gommette bleue à la main gauche et la gommette orange à la main droite en même temps. 1, puis la main droite, bleu et rose. 1, 2, 3. Donc le Fa. 1, 2, 3. Et le Sol. 1, 2, 3. Une fois qu'on a joué ces deux accords, on retourne sur les arpèges normaux. Fini pour les complications. On va jouer un arpège de La. Violet à la main gauche et à la main droite. Jaune, violet, rouge, violet, jaune. Ensuite, j'aurai un accord de Fa. Vert, vert, violet, rouge, violet, vert. Ensuite, encore un accord de Sol. Bleu et orange, bleu, rose, bleu, orange. Ensuite, on passe à un accord de Mi. C'est la première fois. On va faire au petit doigt, on va chercher la gommette jaune. Et à la main droite, jaune, bleu, rose, bleu, jaune. Thank you.
main sera la corde La qu'on va jouer deux fois. Violet et jaune, violet, rouge, violet, jaune. 1, 2. Voici la deuxième partie de ce couplet au ralenti. L'ensemble du couplet. Passons maintenant à la partie du refrain. Voici les accords. À chaque fois que vous aurez votre accord, on devra appliquer l'arpège que nous avons appris au tout début de la vidéo. Il n'y aura pas d'exception pour cette partie du refrain, c'est tout facile. On commence avec un arpège sur l'accord de Fa. Donc violet, pardon, donc vert à la main gauche et vert, violet, rouge à la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet accord, nous allons jouer deux fois. Ensuite, on passe à un accord de La mineur. Violet à la main gauche et jaune, violet, rouge à la main droite. On l'arpège deux fois. Une fois et deux fois. Ensuite, on refait deux fois l'accord de Fa. On a fait ces 6 accords, on va faire un accord de Do, rouge à la main gauche et jaune, bleu, rouge à la main droite, une seule fois. La même chose sur un accord de Sol, bleu à la main gauche et violet, pardon, j'ai du mal avec le violet, on va dire orange, bleu et rose à la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le Do et le Sol, je recommence encore une fois. Do et Sol. Mais pour ce dernier Sol, hop, je m'arrête sur la gommette rose. Je ne redescends pas. 1, 2, 3, 4. Ça nous amènera mieux à revenir sur le couplet. Voici tout le refrain au ralenti. Fa. Là. Le Fa. Et le Do. Le Sol. Le Do. Et mon Sol de la fin. Notre Père qui est aux cieux, priez pour que mes auditeurs cliquent sur like.
Et pourvu qu'il s'abonne à ma chaîne.